Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. J'étais dans les mines Kalstein à galérer et on va essayer de s'en sortir. C'est les tyroliennes, là j'ai un peu de mal avec le système de tyroliennes. Sachant qu'en plus on voit pas vraiment où on va. C'est tout le principe d'une mine abandonnée, hein, bien évidemment, mais quand même. Ici, il y a un passage secret. Du sirop d'érable. Alors. Où est-ce que je peux aller? Là, je voulais aller là. C'était très bien là. Ah. Ça a l'air pas mal, je vois pas de choses sur la gauche. Il y en a peut-être, hein. Ah, zut. Alors, attraper cette tyrolienne là, au-dessus. Puis celle-là. Ah, c'est pas facile parce que je peux temporiser un petit peu. Ah. L'élan de la tyrolienne, mais il n'empêche que on se laisse entraîner. C'est tout le principe de la tyrolienne, hein. Raté. Quelque chose me dit que au bout des 45 tyroliennes, on aura quand même une petite récompense, un petit coffre ou un truc du genre. Il faut monter, donc on va par là, on y va doucement. Hop, on saute, on attrape cela. On saute et j'ai réussi à me louper. On attrape là. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de réussir à choper les tyroliennes. Je vais quand même aller voir si, vu qu'on a pris le raccourci, comment on s'en sort quand on arrive de pas par ailleurs. Sachant qu'ici, voilà. Visiblement, on va glisser. C'est glisser en douceur. Ok, on glisse en fait à ce niveau là. Donc je suis ici. Je peux. Ah. Je peux me casser la figure, bien évidemment. Alors, on saute. On chope ça. Il va doucement. Il va vraiment doucement. Essayez de pas prendre d'élan, même si c'est l'élan qui me permet de sauter d'un côté à l'autre. Ici. Ici, il faut sauter sur celle-là. On va. Hop. J'arrive là, je prends mon élan pour celle-ci. Hop, on saute. J'arrive pas à voir ce saut-là. Voilà. La même chose, s'il te plaît. Non, je n'y arrive pas. Tant pis pour nous, tant pis pour nous. Je le ferai peut-être en off. Essayez de trouver ce qu'il y a, mais je vais pas vous imposer 45 minutes de choupi galère à faire les 45 enchaînements de tyroliennes.
Y a rien par là. Regardez sur la carte ce qu'on a comme petite chose. Ici, tout ça, c'est que du décor. Ah, et du coup, il fait trop noir pour naviguer. Pas de chance. J'aurais réellement regardé... bien aimé regarder ce qu'il manquait sur la carte. On va en profiter pour nettoyer un peu notre bateau. Des moules, des huîtres. C'est parfait. Alors, faut que je regarde si on a besoin d'un nouveau verger. Puisque... Donc, j'ai eu du sirop d'érable. Super cool. Ah oui, voilà. J'ai une graine de poire. Je ne vais pas pouvoir planter ma poire. Il va me falloir un nouveau verger. Je me disais bien à un moment, ça allait arriver. Un nouveau verger. Un verger. 16 planches de chêne et du fil de nébuleuse. Ça doit être faisable. Je vois ici qu'on a quelque chose à récolter. On va tout de suite voir si on est au bon endroit pour planter la flamboyante. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Des planches de chêne. Attends, du chêne. J'en ai. Peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu. On va essayer de pas trop se louper pour avoir un max de planches bonus. Je vais pas se louper comme ça, je vais couper le coche. Parfait. Et j'ai dit du fil de... je sais plus quoi. Où t'ai-je mis? Je t'ai mis là. Du fil... voilà, du fil comme ça, du fil de nébuleuse. Du tissu de nébuleuse. Du fil, il me semble. Verger. V comme verger. Je peux donc le construire. Et bien évidemment, je peux le construire que sur un espace vide. On réorganisera éventuellement si c'est possible. Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Le verger, on n'a pas le plan. De toute façon... ça sert à rien que je regarde, je regarderai quand on aura la flamboyante. On sait qu'il nous en fallait pas mal pour pouvoir continuer. Ah ça y est, il fait plus trop noir. On va pouvoir continuer. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il y a quand même trois choses qu'on n'a pas trouvées. Il y a quand même trois choses. Peut-être quand même refaire une tentative sur ces... merveilleuse tyrolienne que j'adore. Est-ce que quand même trois choses on va peut-être pouvoir réussir à un peu en arrivant ici on se donne déjà pas mal de latitude. Alors j'y vais
vraiment doucement, on prend de l'élan, on s'accroche, j'ai pas pris assez d'élan, je suis pas sauté assez loin. Hop. Ouais, faut peut-être même pas que je saute en fait, faut peut-être juste que je me laisse porter par l'élan. Parce que c'est vrai que l'élan nous fait pas mal sauter, perdu. Perdu. On prend l'élan. On s'accroche. Ici, il fallait aller à droite. Ah non, si je prends pas d'élan, il faut vraiment de l'élan. À fond les ballons. Ici, on sait qu'on peut s'arrêter, faire une petite pause, s'accrocher là, s'accrocher pas du tout là et retomber comme une patate. J'avais pas assez d'élan, sérieux. C'est toujours après là que j'ai du mal. Et si j'appuie même pas sur le bouton, ça va pas le faire. Ah, je peux peut-être le faire avec le... Ah, je peux le faire avec le stick. Ah, je peux le faire avec le stick, ça facilite un peu la chose. Plutôt que le faire avec les touches. Ça m'amène nulle part. Ok, ça doit juste me permettre de prendre de l'élan pour celui qui est en haut. Ouh ! On y est arrivé. Il n'y a rien de caché ici. Rien de caché là, rien de caché là. Ça commence à être un grand classique, hein, les choses cachées ici. Donc elle est contente parce que elle ramasse du minerai. On a faim. J'ai fait du poisson. Des plats simples font de délicieux repas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre souffleur qui va nous permettre d'arriver là avec un peu d'élan. Hop. On peut double sauter. Alors je précise, je n'ai jamais eu le courage de réussir cette chose-là, vraiment. Les Minkelstein, ça faisait partie de ma bête noire, où j'ai honteusement abandonné avant même d'avoir ne serait-ce qu'un peu réussi jusque-là, hein, parce que les tyroliennes me gonflaient trop. Et c'est quelque chose qu'on vient de réussir ensemble, donc je suis plutôt contente. On va essayer de voir si... Ce qu'on peut trouver si on descend, ça a l'air d'être faisable à pied, ça descend doucement, j'aime pas ça. Il y a une tyrolienne, ok, mais j'ai vu qu'il y avait des choses par là aussi.
Il y a visiblement quelque chose de caché. Je sais pas si on peut vraiment y accéder. Parce que ça grimpe quand même beaucoup. Et je vois pas comment avoir l'élan suffisant, sauf que là, je vais tomber. Non. Ah bah si, c'est pas mal ça. Petit coffre caché, comme il faut. Par contre, du coup, j'aimerais bien remonter. Là. Hop, le double saut. Le double saut ici aussi. Perdu. Alors, est-ce que je peux... Bon, je pense qu'il y a quelque chose de caché là. Mais par contre là... même en prenant de l'élan, je peux pas faire de triple saut. Donc... Je ne vois pas. Donc on va prendre la tyrolienne qu'on a vue par là. Coucou tyrolienne. Alors, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose de caché par là. Parce que globalement, s'il y a des fils électriques, c'est que ça y va. Et je tombe dans un putain de trou. Eh ben, c'est pas grave. On a déjà passé un quart d'heure sur ces mines. On a probablement deux secrets à découvrir, mais si c'est des secrets, ça peut être... C'est facultatif. Ah, on a Francis. Peut-être faire Francis avant de choisir une direction. Je vois que j'ai du courrier aussi. Une lettre de Bouforama. Fait des gens qui ont faim. Francis dit que c'est notre jour de chance, comme toujours. Nous, on veut déjà vendre toutes ces choses-là. On va avoir un petit paquet de coquilles. Je sais pas si on peut les mettre au concasseur quand on aura le concasseur. Je prends ta graine étrange. Je pense qu'il me reste des bouteilles. Et on va regarder tes courses. Alors, des poires. Ah, ça, ce serait cool. Au moins le faire une fois. Mais il nous faut des poires. Pour l'instant, on n'a pas de poires. Il faudrait que je fasse des lingots de fer à l'occasion pour pouvoir faire cette carte au trésor. Ce serait cool. Tarte aux pommes, saucisse frites sur bâtonnet, soupe à l'ail. Ben non, j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. Oui, bon, c'est... C'est quotidien, mais... On va s'en passer... On va s'en passer et on va plutôt je pourrais aller par là. Ok. Le phare Ikarishima. Je crois pas avoir besoin d'y aller. On va aller à Macha. On va aller chercher de l'aluminium également. Aurais-tu faim? Tu as faim? J'ai rien fait de goût à apprivoiser et je pense que le repas douteux, tu n'en veux pas. Voilà, ce n'est pas à proprement parler de la nourriture, on est d'accord. Une petite moule, je crois que c'est à apprivoiser. Mes moutons doivent avoir faim. Effectivement, tu as rien à tondre, mais tu as faim. Je donne du maïs. Le maïs, c'est très bien. Ici, il faut arroser. Aussi bizarre que ce soit d'arroser de la flamboyante. Une graine étrange encore, c'est cool.
on arrose. J'ai du coup pas fait le deuxième verger. Je l'ai fait, je l'ai pas fait. Si, je l'ai fait, il est tout en haut. Tu as très faim. Je me doute que tu me... Voilà, toi non plus tu prends pas, faut que je les vende. D'accord. Bah, tu prends du poisson. Parce que du coup j'en ai fait plein. Et je t'ai pas fait de câlin aujourd'hui, donc je te fais un câlin. Je l'ai mis tout en haut, voilà, tout en haut là. On va le déplacer bien évidemment et on va planter une poire. Pas besoin plus que d'une, hein. On a vu que ça donnait déjà très bien. Tant que ça pousse. Alors tu as faim. Trésor, aurais-tu une collation, un truc du genre? Ah, t'aimerais les collations? Non mais je vais quand même pas te donner ça. Voilà, personne ne veut manger ça. Même t'aimes les stimulants, il me semble. Ah ah, c'est tout un remontant. Je me sens plus mon visage, Bambina. Absolument parfait. Trésor, regarde ces bijoux. Pour toi, Bambina. Non, 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 je ne t'explique pas. Chut, prends-les. C'est un cadeau. Et on gagne un collier précieux. Et ici, a-t-on... rien qui a donné. Est-ce qu'on sait parce qu'on s'est pas déplacé des masses, peut-être. On va pouvoir gérer non pas Olga, mais Macha. Je me souviens plus trop ce que j'avais mis sur Macha. Alors, du minerai de fer, c'est parfait. Des bûches de chêne, c'est parfait. Et de l'ardoise. Là, comme ça, je vois pas d'autre chose qu'on pourrait avoir besoin que... On va partir. On va ouvrir ce colis de Bouforama. On se souvient que Madison est parti. Donc, il y aura peut-être... chose à faire. On va aller ici. J'aimerais bien aller là. Aller là. L'objectif étant le quai Nordsee. Prochaine étape. Plutôt comme ça, du coup. Essayer d'aller à Nordsee. On va voir un peu ce qu'on a. Voilà. Des mollusques. J'aimerais vraiment la farine. Je vais attendre la farine. Et on va regarder ce qu'on peut... ce qu'on peut faire. Bah non, il faut la flamboyante. Pousse, flamboyante, pousse! Carottes qui sont à côté ont poussé. Te vois flamboyante. Tu ne pousses pas flamboyante. Alors qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire des choses avec notre sirop d'érable. Et je sais qu'il y a une recette avec du sirop d'érable, du saumon. Alors comme Astrid m'a pêché du saumon, je vais pas me gêner. Ah oui, il faut que j'interagisse avec la porte de Summer. Où es-tu, porte de Summer? Tu es là. Je veux lancer les ventes. Voilà,
avoir un peu d'aluminium. Ce sera parfait. L'alien nous empêche de passer. Quel côté? Sans doute par là. Perdu. Si. La liane nous a repoussé. Et voilà une Chobiti toute perturbée qui n'arrive plus du coup à récupérer son minerai. Donc il y en a des deux côtés et je suis tombée. J'en sois tombée à l'eau. On va faire celui-là du coup. J'étais dessus, je suis tombé. On reste concentré. Allez. Hop. Et on n'y arrive pas. D'habitude, ça se passe pas si mal. Allez, on y retourne. J'ai rien de ce côté-là? J'ai rien de ce côté-là? Pourquoi tu mettais un marqueur de ce côté-là? Bah si, tu me... Mais ça se récolte pas ça. Je ne comprends pas. Il me perturbe ce marqueur. Il va où? Oui, mais il n'y a plus rien ici, je l'ai fait. Je peux plus le miner. Ah, ça y est, commencer à faire de la kitéouette. Et en plus, c'était les derniers, donc... Et du coup, on n'a plus Summer, donc le dragon part tout seul. C'est parfait. On a de la cuisine qui est prête. Du saumon au sirop d'érable. Et je sais pas ce qu'on peut faire d'autre avec notre sirop d'érable. Sirop d'érable plus maïs ou riz plus grain. Du grain au sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on fait? L'équivalent de pudding avec... Hmm.
Vous êtes en train de me dire qu'il fait déjà trop noir, qu'on peut plus naviguer? C'est ça. Eh bien, du coup, on va se laisser là, je pense, sauf si notre flamboyante est prête à être récoltée. Ce qui est le cas. On va donc pouvoir améliorer un peu nos bâtiments. On avait plein de choses qui nous demandaient de la flamboyante. J'aurais peut-être pu en replanter du coup. Tant pis pour moi. Alors, au niveau des constructions. On n'a pas ce qu'il faut pour le poulailler ni pour le concasseur. Et sinon, on avait tout ce qu'il fallait au niveau des améliorations. Au niveau des améliorations, ici, on n'a pas ce qu'il faut. Chez Astrid, planche de frêne, lingot de zinc, on n'a pas ce qu'il faut non plus. Ici, je n'ai que deux flamboyantes sur quatre, malheureusement. Donc... Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. On va quand même vérifier ici. Flamboyante 2 sur 6. Il faut beaucoup plus de flamboyante. Ici, 2 sur 4. Donc, eh bien, même si on a de la flamboyante, on n'en a pas assez, malheureusement. Donc on va pouvoir s'arrêter là. On a trouvé un bol de céréales. Oh, c'est pas mal le bol de céréales. Genre je peux... Oui, voilà, je peux... devrais pas manger ce légume. Oui, je me disais manger la flamboyante. On peut la cuisiner. C'est intéressant. Du minerai d'aluminium, c'est parfait. Et Atul nous dit de pas oublier son baril de poulet frit. On ne t'oublie pas, mon gars, on ne t'oublie pas. Et je vérifie juste que je loupe pas de petites choses à aller. Pêcher, mais j'en vois pas que... Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Bye bye!